la plus grande liberté. En venant de Marseille, y a le marais qui danse, la tête aux orteils. Marche ou rassemblement ont lieu aujourd'hui dans tout le pays contre les violences policières, le racisme systémique, pour la justice sociale et les libertés publiques. Près de 150 organisations ont signé l'appel unitaire, comité de quartier et de victimes réclamant justice, syndicats, associations, organisations politiques. Cette diversité est historique à la mesure de la crise démocratique, sociale et politique que nous traversons. Nous ne pouvons accepter qu'il y ait encore d'autres morts. Nous ne pouvons accepter l'aggravation des inégalités sociales sur fond d'inflation et de hausse des prix à travers les contre-réformes des retraites, de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, des prestations sociales et la disparition programmée des services publics. Services publics qui sont le ciment d'une république digne de ce nom. Nous ne pouvons accepter que sous des prétextes divers soient restreintes les libertés démocratiques, telles que la liberté de manifester, la liberté associative, la liberté d'expression, la liberté de conscience. L'unité est fragile, mais elle est notre force. À nous de la faire grandir pour enfin finir avec la répression et l'injustice. Et comme le dit l'international, nous ne sommes rien, soyons tout. Le meurtre de Naël, tué à bout portant par un policier, a déclenché une vague émotion partout dans le pays. Nous sommes des millions à ne plus accepter les violences policières, le racisme et les injustices sociales. Mais le gouvernement refuse de s'attaquer à ces problèmes. Il est incapable de condamner les syndicats de police qui défendent leurs collègues poursuivis par la justice. Sa politique au service des ultra-riches aggrave les difficultés du peuple face à la vie chère, à la crise du logement et aux difficultés dans l'accès aux soins. Pire encore, Macron a choisi la brutalité pour imposer le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Sa dérive autoritaire, ses passages en force à l'Assemblée nationale et la répression des manifestations sont même critiquées par l'ONU. Face à cette situation, nous avons besoin d'une mobilisation populaire puissante. C'est pourquoi 100 organisations syndicales, associatives, comités de quartier populaire, collectifs de victimes de violences policières et partis politiques ont décidé d'agir ensemble. Nous appelons à des manifestations ensemble, aujourd'hui le 23 septembre, dans tout le pays. Oui, la liste est longue des violences policières et des manquements à la démocratie du gouvernement Macron. Pour y faire échec, nous nous félicitons de l'unité de plus d'une centaine d'organisations réalisées sur l'appel de ce jour. Le point sur lequel nous voulons insister est qu'il s'agit d'une violence systémique. La crise actuelle est structurelle.
Macron, la finance, le système, nous enfoncent dans la régression sociale et le racisme. Ils nous conduisent aux méthodes du pétainisme, à l'extrême droite. Il n'y a pas de réconciliation possible avec ce système.